Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir le sabre laser de Dark Vador sur Fortnite. Donc pour obtenir ce sabre laser, vous allez devoir vous rendre tout en haut de la map. Sur cette petite île à cet emplacement là, vous avez le camp de Dark Vador. Donc bien évidemment, avant d'y aller, moi je vous conseille de vous stuff un minimum. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous allez dans le camp de Dark Vador, mais faites très attention parce qu'il est très balèze. Et moi ce que je vous conseille, c'est d'éliminer d'abord les Stormtroopers pour ensuite vous attaquer uniquement à Dark Vador, parce que si vous avez les trois en même temps, ça va être compliqué. Donc là c'est parti, c'est ce que je vais faire, éliminer les Stormtroopers, et maintenant je m'attaque à Dark Vador. Donc hop, en fait il y a un moment où il va contrer vos attaques avec son sabre, et quand il, voilà, oula, ça faut faire attention, quand il contre vos attaques genre comme ça, bah là ça sert à rien de lui tirer dessus, vous rechargez, vous mettez de la vie, et quand il lance son sabre, là vous l'attaquez, ou quand il essaie de vous attirer, là vous l'attaquez. En réalité, si vous arrivez à esquiver toutes ces attaques, il n'est pas si compliqué que ça à tuer, hein. Mais il faut bien esquiver toutes ces attaques et attendre le bon moment pour l'attaquer, parce qu'en plus, à part vous attirer vers lui et parfois vous foncez dessus et lancer son sabre, il n'a pas d'autres attaques. Par contre, quand il lance son sabre, faites attention parce que ça fait un aller plus un retour. Donc si vous touchez sur l'aller plus le retour, ça vous fait directement 100 de dégâts. Et voilà, après, il va vous tuer directement. Donc ce sera compliqué. Donc voilà, quand vous aurez réussi à le tuer, là vous allez pouvoir obtenir le sabre laser de Dark Vador. C'est le sabre laser rouge. Voilà. Et comme d'habitude, hein, vous pouvez faire des enchaînements comme je viens de faire. Vous pouvez attaquer aussi. Quand vous êtes en l'air, je crois, voilà, comme ça vous pouvez aussi maintenir pour vous protéger, et là quand les adversaires vous tirent dessus, ben ça renvoie les balles, et voilà, vous pouvez aussi lancer votre laser quand vous maintenez la protection et que vous lancez votre laser, ben voilà ce que ça fait. Donc voilà comment vous allez pouvoir obtenir le sabre laser de Dark Vador.